brothers, sisters, happy Sunday. We are today on the 22nd Sunday in Ordinary Time. And we are beginning the month of September. Tomorrow is Labor Day. It's a time when we celebrate man's labor. God created the world and asked man to cultivate it so that we can drive or draw our survival from the fruit of nature. At the same time, while we honor nature, which is one of the main functions of man in this world, we must ask them to respect nature. Sometimes in our search for money, our pride, we tend to misuse nature. The cutting down of trees, excessive use of chemicals, we can poison the atmosphere and cause man's death. Humanity can perish. So we know we have to use nature while respecting it and derive everything for the benefit of mankind. But when we come today on this 22nd Sunday in Ordinary Time, the lesson we find are about, you know, humility, yes. You know, we should not be haughty, bloated with pride, always seeking to lord it over others. Pride is a root of most social ills. It ruins human relationships and upsets social peace. Our real qualities are gifts from God. True greatness shines through those who consider themselves as God's humble servants, because all honor belongs to God. And we fulfill our mission without constantly seeking the approval of mankind. Second, along the same line, Jesus insists that we must honor the poor, because we tend to disrespect or to hold in contempt the poor. And we must endeavor to serve them in the first place. What belongs to us is also is indeed for us, but we must also, it belongs to the poor. Yes, what a great lesson that we are learning. God Himself will pay us back for every good deed performed for the sake of the poor. When we die, we'll not be able to go with our millions, with our houses, with our cars, with all the petty things, the exaggerated luxury that we surround ourselves with. But what really belongs to us is what we have given to the poor. In a nutshell, humility and a spirit of service to the poor are fundamental qualities of the genuine Christian. Seek first the kingdom of God and His justice, and everything else will be given to you. Amen, amen. Great lessons that we receive today. Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui le 22e dimanche du temps ordinaire. Ce dimanche marque la fin des vacances d'été et la reprise des horaires de travail et des écoles. Demain, nous fêtons le jour du travail. Le travail de l'homme est une activité noble, mais qu'on se rappelle qu'il faut respecter la nature créée par Dieu. Certaines activités détruisent la nature et menacent l'avenir de l'humanité. Qu'on veille à bien utiliser ce qui nous a été confié, cet univers qui nous a été confié. Pour sa part, l'Église nous convoque en ce 23e dimanche à faire grandir en nous l'humilité et ainsi à fuir l'orgueil comme la peste. Les orgueilleux qui cherchent toujours la première place en tout lieu sont à l'origine de beaucoup de maux sociaux. Ils entravent la paix sociale. En tout premier lieu, ils se trompent, car toutes nos qualités viennent de Dieu. C'est faire preuve d'aveuglement que de ne pas le reconnaître. Jésus renforce son enseignement en insistant
que nous accordions toute notre attention aux plus pauvres. Le Seigneur lui-même nous rendra tout ce que nous donnons aux plus démunis. L'humilité ne justifie pas la timidité, la médiocrité, le manque d'engagement, qu'on se dise « je suis humble, donc je ne fais rien ». Non, pas du tout. Au contraire, l'humilité, c'est la vérité, et c'est la vérité qui nous rend libres. Les humbles accomplissent de grandes choses. Le succès de leur labeur n'est pas entravé par la recherche stupide d'applaudissements à tout moment. Apprenons à chercher de toutes nos forces le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste nous sera donné par surcroît. Le Seigneur relève ceux qui s'abaissent et renverse les faux trônes fabriqués par les orgueilleux, les vantards et les arrogants. Il est temps de le croire et d'en vivre. Soyons humbles et recherchons en tout premier lieu le royaume de Dieu. Frères que soyez-moi, à pas n'a célébré aujourd'hui, dimanche nous relais, 23e dimanche d'un temps ordinaire. Mais ça coïncidé 1er septembre, c'est le toute l'école va l'ouvrir, c'est le toute activité va le reprendre, et c'est peut-être ça demain à fêter ça nous relais, le jour du travail, pour célébrer moun, le bon Dieu t'a créé Adam, il dit, dominer terre, soumettre, remettre toute bagaille en mer. Nous avons responsabilité pour, à travail, nous développer universel que bon Dieu mettait la même. Bien entendu, c'est pour nous faire attention, c'est pour nous respecter plan bon Dieu. Grimoun, par exemple, tellement il a besoin de faire corps, tellement il a besoin de monter tête, que il voulait mal servir à terre, qu'on mettait des poisons, couper pieds bois, empêcher mon respirer bien, qui cabe la cause que l'humanité mourit. Et puis il faut respecter confie, c'est pour jouer lié, qu'on partout, c'est pour apprendre, sac la nature, hein, pour servir bien avec les pour gloire, bon Dieu. Et c'est peut-être ça l'occasion, faites ça, l'Église a bonne deux leçons. En première leçon, l'imanine pour nous gagner humilité, pour ne pas gonfler l'estomac ridiculement, pour sembler ou toujours voulez paraître plus, parce que ça y est, ou toujours voulez compliments, pour nous battre bravo pour vous, et on a fait bagarre tout simplement pour grandir tête par, j'affaire les autres. Au contraire, c'est pour humble, parce que c'est pour qu'on ait que sous intelligence, sous mon corps, sous mon la vie, c'est bon Dieu baoule, et c'est lui-même pour dire merci en tout premier lieu. Ou pas besoin de chercher compliments pour tout le temps, gonfler l'estomac au tout le monde, il faut comprendre que nous plus soit son l'autre, mais pas bon, ça gâte la vie société, c'est pour apprendre pour humble. Mais alors, humble, ça pas veut dire qu'au coin, on parle pas riche, pas fanier, on va croiser bras, au contraire, monde qui humble, c'est un produit, puis plus, parce que c'est à chercher, c'est pas compliment, c'est pas bravo, monde. C'est à chercher, c'est développer le travail, bon Dieu, il en ligne avec bon Dieu, et c'est bon Dieu qui a béni. Deuxième leçon nous joindre aujourd'hui, hein, c'est que Jésus insistait pour dire, si on fait fête la caille, on ne peut pas inviter les amis, on ne peut pas inviter les gens riches, non, inviter les pauvres, inviter les gens qui baguent 5 corps, c'est eux pour inviter. Et Jésus dit que tout ce qui est pauvre, qui a péri, lui-même, c'est lui qui a promis tout ça. Donc, redevoir un chrétien, ce n'est pas mépriser Paul, mais c'est occuper, prendre soin. Parce que dans l'humanité, il y a des gens qui gagnent plus, des gens qui gagnent moins. Les gens qui gagnent plus, ils ont le devoir pour aider ça qui est moins. Parce que dans l'évangile, Jésus te dit bienheureux, les gens qui peuvent. Parce que c'est là que Christ va enrichir à grâce. Donc, l'humilité, ou pas paresseux, ou pas travail, mais ou pas travail pour compliment. Et puis, ou occuper pauvre, c'est la première mission yon chrétien. Et peut-être ça, l'Église catholique gagne plus l'hôpital, plus dispensaire, plus l'école, parce que n'importe qui l'autre l'Église,
à part l'État. Hein? C'est une mission, mais pourtant nous vraiment aimer Jésus, c'est pour respecter les pauvres et c'est pour aider. Mais belle leçon à prochaine fois, je dis, et demander bon Dieu que nous ramasser, nous faire passer dans la vie. Nous. Amen. Alléluia. Magnificat,